C'était les derniers. On a eu chaud. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Effectivement. Je préfère les approches plus directes. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jaski. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng, de quelqu'un d'important, un genre d'espion. Un espion ? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets. Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaski. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue, sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout ? Tu exagères un peu. Parfois, j'ai des doutes. La clé d'un coffre ? Pas d'adresse ? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait ? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ses sbires, pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Bon, plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss.